Salut les VR players, c'est Sei, et ça y est, il est là, Half-Life Alyx. 13 ans d'attente depuis la sortie de l'épisode 2 de Half-Life 2. Alors que la plupart des gens attendaient Half-Life 3, Valve a préféré parier sur l'avenir et la réalité virtuelle, et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont vraiment réussi leur coup. On va se le dire tout de suite, Half-Life Alyx ne sera pas le dernier clou sur le cercueil de la VR, n'en déplaise à certains professionnels. Alex, how's it looking up there? It's good, Dad. Metrocock movement is normal. Same for the Combine patrols. How's it going in the stockyard? One Combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the Combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh. Ici, le jeu tourne sur le dernier moteur Source 2, qu'on a déjà pu voir sur des jeux comme Dota 2 Reborn, l'expérience Robot Repair de The Lab, ou encore le fameux jeu de cartes Artifact. Vous vous en souvenez pas? Ouais, moi non plus pour être honnête. Comme vous pouvez le voir, on est face à un vrai jeu AAA. C'est beau et la mise en scène en est plein la vue. Les animations sont petits oignons et le tout est sous-titré en français. Niveau déplacement, c'est au choix, libre ou par téléportation. Et comme les devs ont pensé à tout, même en déplacement libre, on a la possibilité de se TP à la volée. Alyx se joue debout et c'est un petit problème quand on veut enchaîner les grandes sessions de jeu. On piétine, on se fatigue inutilement, alors mieux vaut privilégier les petites parties dans un premier temps. Le jeu est vraiment pas adapté pour être joué assis. Par contre, c'est du room scale dans la plus pure tradition des jeux PC VR, et on sait que beaucoup de joueurs y sont beaucoup attachés. Valve a abandonné le moteur physique AVOC avec Source 2 pour un moteur maison. On peut donc s'amuser avec la plupart des objets, mais il n'y a pas à dire, ce genre de petits détails renforce l'immersion. On incarne donc Alyx dans ce spin-off qui se passe entre le premier et le second Half-Life. Cité 17 est en plein bouleversement, le cartel commence à parquer les citoyens et des quartiers entiers sont placés en quarantaine. On retrouve toute l'ambiance qui faisait le sel de Half-Life 2. C'est pesant, c'est crado, et en incarnant la jeune rebelle à la recherche de son père emprisonné par l'ennemi, l'objectif est limpide. Le scénario fait bien évidemment énormément de références au précédent Half-Life, mais c'est tout à fait possible d'en profiter même si on les a jamais fait. En même temps, qui est-ce qui a jamais joué à Half-Life? Donc le jeu est disponible depuis le 23 mars, au prix de 49,99€ pour pas dire 50, uniquement sur la plateforme Steam, pour le moment. Il n'y a malheureusement aucune certitude qu'il soit disponible sur PS5, mais bon, c'est pas interdit de rêver. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà la série, ils ont certainement eu envie de retrouver le fameux Gravity Gun, qui a vraiment fait kiffer tout le monde à l'époque. Là, ils sont remplacés par les gants gravitationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on peut viser un objet au loin, le sélectionner, et avec un petit mouvement du poignet en arrière, le faire venir à nous pour essayer de le choper ensuite à la volée. Ça a l'air de rien, mais en jeu et pendant les phases d'action, c'est vraiment très efficace. Ça casse pas le rythme, et ça rajoute même une espèce de dynamique dans tous les affrontements. Half-Life oblige, forcément, le moteur physique est vraiment au centre du gameplay. Il va falloir jouer avec ça, trouver la meilleure façon pour avancer, et ça rend l'ensemble vraiment super immersif.
Parfois, vous aurez des petites énigmes qui nécessiteront l'utilisation d'un petit appareil multifonction qui est tout simplement appelé Alix. Et là, ça va vous donner l'occasion de faire des petits puzzles pour débloquer des portes, débloquer des outils de craft qui vont vous permettre, par exemple, de customiser des armes. Alors, petit bémol, apparemment, il n'y a pas énormément d'armes, justement. Mais même s'il y en a peu, elles sont toutes vraiment différentes, ont chacun un gameplay et un frag particulier. Donc là, attention, on n'est pas du tout sur du monde ouvert, c'est un couloir. Mais c'est ce qui permet justement d'avoir une action soutenue, rythmée, complètement maîtrisée, et d'avoir une mise en scène qui te met vraiment dans le bain. La musique et les bruitages sont complètement inspirés d'Half-Life 2. En même temps, c'est normal, c'est le même univers. C'est vraiment un gros kiff de pouvoir se retrouver justement dans un monde qu'on a laissé en plan il y a 15 ans. Je vais pas vous en dévoiler beaucoup plus dans cette vidéo, parce que honnêtement j'ai pas encore terminé le jeu, c'était juste pour vous faire une présentation, vous dire qu'il est vraiment kiffant à jouer, que j'espère vraiment qu'il sortira sur PS5 pour que le plus de monde possible puisse en profiter. Et sur ce, moi je vous laisse, je retourne à Cité 17, parce que j'ai du pain sur la planche. Allez, ciao. Oh, man. There's barnacles on our side. And it's not, though, obviously, so don't walk under them. Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway! That wasn't a gift! That's my gun! About Dad, Russell? No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Well, the good news is he's probably fine. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. So they're hardly gonna torture him before they get there. So he's fine. Logically. Somebody spent a lot of time on this. Whoa. More floating cardboard. Russell, what's up? I'm losing your signal. Alex? Alex, can you still hear me? Keep heading in the same direction and trying to get above ground. Russell? Russell?
This is weird. Oh. The Alex fans. You received my messages. I did? Come, Inter. Okay, thanks. You are welcome. So, what's a Vortigaunt doing here? Cooking. Right, but I mean in general. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. It was unbelievably painful.